Stéphane, on y est? Yes, sir. On peut voir le magnifique décor, le magnifique ruisseau. Donc, l'appel de la nature se fait entendre et on y va! À explorer ce beau ruisseau-là. Oui, monsieur. Jérôme, Woohoo! On vient de partir. Comme vous pouvez voir, Jérôme a de l'action. C'est dans ça, Jérôme? Yes, sir! Yes, sir! Checkez-moi les beaux poissons. Yes, sir! Yes, sir! Une autre belle truite! Une belle truite! Yes, sir! Yes, sir! Une autre belle mouchetée. Oh boy, quel coin de paradis, Stéphane. On est où exactement? On est, comme j'ai déjà mentionné, quelque part au Québec. OK. Je m'en souviens déjà plus comment est-ce qu'on s'est rendu ici, toi? Non, vraiment pas. Regardez les couleurs. Belle truite de ruisseau. Belle truite de ruisseau. Ça quoi, ça, Jay? Dizaine de pouces? Ouais. Dizaine de pouces. Le paradis, c'est ici que ça se passe. D'ailleurs, la truite est au rendez-vous. Je pense que c'est un des plus beaux ruisseaux que j'ai vus à date dans ma vie. Non. Jérôme, ici, où sont les truites? C'est dur de le suivre, mais en même temps, on apprend beaucoup. J'espère un jour d'être la moitié bon comme il est à faire ça. Je travaille. Bon, ben on lâche pas, mon Steph. All right. Il a pogné une hirondelle, tabarouette. Elle n'a pas eu frette aux yeux, hein? Comment tu vas défaire ça, mon Steph? Je sais pas pantoute. Je vais couper ça ici. Bien. Bonsoir. Ah, ben Steph, écoute, je vais te dire, tu en as pogné moins, mais tu as pogné quelque chose d'original. C'est spécial, exactement. Tu prends du talent pour prendre un poisson comme ça. Poisson volant. Poisson volant. Ouais. On va prendre une petite pause. Ouais. On a faim un peu. On va aller manger, puis après ça, on va reprendre du collier. Yes, sir. C'était bon? Mais on peut montrer le résultat. Ça va expliquer un peu hey. Si ça a été bon ou pas. Stéphane, on va plumer ça pour le souper, ça va être bon s'il vous plaît. Regardez-moi la chair de cette truite-là, est complètement saumonée, orange. Une fois qu'on a vidé, la truite, on ouvre la carcasse comme ça ici. Et là, avec ma fourchette, je viens piquer dans la nuque, à travers la colonne vertébrale. Donc, j'enfonce ma fourchette dans la chair. En tenant la tête avec mon pouce puis la fourchette avec mon autre main, je casse la nuque. Puis en cassant la nuque, je tire sur la fourchette et sur la tête. Et je plume la truite. Donc après ça, dans la poêlonne, sel, poivre, beurre,
délice. Hey, chef Stéphane! Chef Stéphane! Mais c'est aussi prêt à payer pour pogner des belles trucs. Et voilà. Alors là, je suis sur la route, en vélo. Et puis, je m'en donne à cœur joie sur le pédalier. Mais quand je sais que je m'en vais pêcher, il n'y a rien à m'arrêter. Hein, Steph? Un beau spot, là. La mouchetée, puis ça, c'est quelle sorte de poisson? C'est une truite brune. J'ai pogné ça dans le bouillon un peu plus haut, là. Ça veut dire que le ruisseau est vraiment en santé parce que la truite brune est un petit peu plus capricieuse que la mouchetée. Donc, c'est une place vraiment exceptionnelle. Regardez les belles couleurs. Ah oui, un beau combat. Les belles taches rouges, les points noirs. Vraiment, là, beau poisson. Je me suis amusé en masse. C'est la première brune du voyage? C'est la première brune du voyage. C'est la troisième que je prends ici. Pas la dernière. C'est pas la dernière. On lâche pas? Yes. Deux truites? Deux truites en même temps. Wow! La première et la deuxième. Regardez ça, le brochette de truites. À mouche puis à bobite. Oh, tout un spectacle, ça, mon Steph, un matin. On vient de découvrir un nouveau spot. C'est où ça déjà? quelque part sur cette belle terre. Hey, regarde ça, le beau poisson. Félicitations. Oh yes! En direct. En direct. Oh, il y a un doublé. J'ai deux mouches après ça. Un petit keeper. À la mouche. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Le pogné, mon Steph? Oui. Yes, sir. La technique à Jérôme. La technique à Jay. Steph, à ta santé, ta barouette. Ah ouais. C'est du pur plaisir, hein? Ah, oh, câlin. Je me sens comme dans le temps. C'est la nature à son meilleur. Il n'y a pas d'autre mot. On est par contre dans un bout un peu encombré, mais on peut s'apercevoir que ça donne un bon abri pour la truite. Puis où est-ce qu'il se situe ça, ce bout encombré-là? Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est quelque part au Québec. Fait que Stéphane, ce qu'on a devant nous, là, c'est vraiment un beau pot, ça, là. Ça, le plus proche de la roche possible, même si la roche est correcte. Tu peux caster ça direct sur la roche, juste au pied de la roche. Tu laisses ça descendre, puis tu vas envoyer ta ligne sur le côté gauche pour la faire remonter dans le courant vers la gauche. Okay. Ça devrait être assez instantané. Pogné une truite, mon Steph? Oui. J'ai du casse là. Il va en avoir une. C'est ça qui s'est passé. Hey, belle. J'ai intérêt à l'écouter. Voilà. Nice, Steph! Montre-moi ça un peu plus haut, là. Oui. Ah, bel job. Bon, ça y est. Non! Elle était partie. Eh oui. Mais t'as eu le plaisir de la pogner, Steph. Ouais. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, on en manquait. C'est ça.
On s'installe pour se dîner. On a trouvé une belle petite grève là. Donc on va sortir le Coleman. On va monter notre setup, on va vous montrer qu'est-ce que ça va avoir de l'air tantôt. On a 20 à manger comme ça. Là, ceux qui disent qu'on est des cochons, c'est en partie vrai, sauf qu'une fois qu'on a goûté le poisson frais comme ça, une dizaine chaque, là, c'est pas une grosse portion. Non. Mais sérieusement, il y en a beaucoup d'émissions de cuisine à la télé, mais une émission comme celle-là, sur le bord de la rivière, avec des poissons frais comme ça, il n'en existe pas! On met ça là-dessus. Très simple. La recette, ça on peut la donner par exemple. Oui? Ouais. Sel, poivre et beurre. Poivre. Sel. Un peu d'amour et d'attention. Et on va avoir un grand lunch. Et toute la fraîcheur de la truite. C'est la balle comme fraîcheur. En tout cas, mon Steph, je vais te dire une chose. On passe du bon temps à souffler. Écoute, mon secret, c'est à feu un très truc. Fort. Un truc. Mon feu est très fort. Je les laisse vraiment griller, comme vous allez voir aussi. Là, parce qu'on aime ça croustillant un peu. Croustillant. Hein? Oh, il y a encore de la place. Il y a encore du peu de place. Le beurre, il vient brun. Il pénètre dans la chair. Puis ça permet de rendre la truite très croustillante. On est dû pour retourner. Regardez ça. C'est vraiment spectaculaire. Un pur délice. Je suis obligé de t'annoncer qu'il en reste encore. Regarde-moi ça. La simplicité à son meilleur. Exact. Un petit bonbon de propane, un petit poêle, Coleman. Les bonnes truites. Les bonnes truites. Une belle roche plate. Le ruisseau. Moi, j'ai mangé les pieds dans le ruisseau. On dirait que cette table-là nous attendait à venir manger.